Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici vous êtes sur la chaîne Gaga Hostis. Mon prénom c'est Grace. Je profite de cette occasion pour accueillir tout le monde, les nouveaux abonnés et les anciens. Je remercie beaucoup tout le monde pour votre soutien et merci encore aux personnes qui continuent à me suivre. Gros bisous. Sur la chaîne, je partage avec vous motivation ménage, retour de course, décoration, recettes, vie quotidienne d'une maman qui travaille. Donc, si mon contenu te plaît, merci de liker, commenter. Donc, sans trop blablater, je vous laisse avec la suite. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je vous prends avec moi pour la motivation ménage après la fête. Donc, vous voyez, c'est le chaos total. Un ouragan est passé chez moi. Donc, je vais essayer de remettre tout ça en ordre. Donc, je vous laisse regarder l'état de mon salon. C'est pas possible. C'est comme pas possible, vraiment. Allez, on va se mettre au boulot. Donc, je commence par la table où il y avait le gâteau d'anniversaire. Donc, je fais le tri. Ce qui va aux salles. Ce que je dois ranger, je range. Donc, entre temps, j'ai décidé d'aller sur la véranda parce qu'il a fait pour me faire de la place. Du coup, j'ai tout débarrassé. J'ai plié les tables, j'ai rangé les chaises, donc là, chaque chose doit retrouver sa place. Donc, après avoir dégagé un peu, donc je vais venir passer un coup de balai partout. Donc derrière, je continue direct avec la serpillière. Vraiment, là, ce n'est pas un ménage de ouf. C'est l'histoire de retrouver l'ordre à la maison. Donc maintenant que j'ai fini avec la serpillière et tout, donc là je prends les canapés que j'avais mis dans le salon, donc je les remets à la véranda. Donc, en regardant la vidéo, on peut avoir l'impression que c'est encore V, donc ce ménage là. Donc je peux vous dire que moi j'ai pris au plaisir de le faire parce qu'en fait la fête, c'était quelque chose que je voulais tellement faire. Donc, en plus de ça, j'étais en vacances, donc c'était cool. Donc là, j'attaque le salon. Mon mari m'avait aidé à dégager un peu, à sortir le trampoline et à faire autre chose. Donc, comme vous le voyez, il y a mon fils qui s'est réveillé. Donc là, je l'ai mis au dos pour pouvoir continuer tranquillement. Donc, maintenant que j'ai tout dégagé, je vais venir passer aussi un coup de balai. Il y avait des confettis partout, les ballons qui se sont éclatés. Donc, regardez-moi ça. Je voulais éviter que je sois envahie par les confettis, mais c'est raté. J'ai fait ce que je voulais pas faire et voilà. Donc, je suis envahie par les confettis. Donc, pas le choix, je suis obligée de repasser le balai. C'est un peu énervant.
Donc il reste qu'à les balayer, mais j'ai pas le choix. J'étais trop dégoûtée. J'avais éclaté tous les ballons et j'ai laissé les ballons qui avaient les confettis. Et voilà, Robello, il faut passer le balai. Donc là, j'ai fini avec les confettis. Maintenant, j'attaque la cuisine. Là aussi, j'avais fait le plus gros. Donc, hors caméra, j'avais commencé à ranger un peu. J'ai fait un peu d'eau vaisselle. Donc, comme vous le voyez, je me suis déjà changée. Donc, j'ai changé le pantalon. Voilà, et là il y a mon mari qui rentre du travail, donc il va m'aider à prendre le petit. Donc moi je peux pouvoir continuer tranquillement. Donc là je continue le rangement de la cuisine. En fait, je range tout ce qui traîne sur le plan de travail. Voilà, donc chaque chose doit retrouver sa place. Je vous dis pas comment ça fait tellement du bien de retrouver sa cuisine propre et rangée. Donc tellement j'avais envie de retrouver ma cuisine propre et rangée, du coup tout ce que je lavais, en fait j'essuyais, j'attendais pas que ça sèche à l'air libre, donc je lavais et j'essuyais, comme ça je pouvais ranger tout ce qui commence à prendre le travail. Donc là aussi je vais continuer avec mon mélange. Donc je vais nettoyer tout partout, en fait là où il y a les traces, là où c'est pas propre. Donc en fait c'est un ménage vite fait. Donc là j'ai sorti les lingettes hygiéniques que j'achète à Leclerc. Donc c'est ça que je vais utiliser pour nettoyer, pour faire mon ménage rapidement. Donc là, je vais venir changer les torchons. Ensuite, je continue par la table à manger. Donc là aussi, mon mari donc m'avait déjà aidé à faire des choses. Donc là, je vais m'occuper à mes fleurs. Donc je vais rassembler ces deux bouquets qu'on a utilisés pour la fête. Donc je vais faire un seul bouquet. Donc j'ai fini de fabriquer mon petit bouquet. Et là, donc, je passe un coup de chiffon sur la table et le tour est joué. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est passer l'aspirateur partout au salon et dans la cuisine, parce qu'avant, j'ai utilisé le balai tout simplement parce que le sol était trop sale. Et après l'aspirateur, le gros ménage sera fini. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai motivé donc, pour faire pareil chez vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.